Bonjour tout le monde, c'est Favali et on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Est of Iron avec la France. La France, oui, la France qui, la France du Moyen-Âge, bien sûr. Nous sommes en 1302. L'empereur, le roi de France, on est empereur maintenant, empereur Victor V, en train de réformer tout simplement le pays. Voilà, tout simplement. Bon, dans un épisode, on avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de guerres. Il y avait des guerres dans tous les sens. On savait pas trop où tirer la tête. Mais heureusement, la France s'est relevée. Bon. Aussi, quelques régions à réformer. Des titres de jure à créer. Et des nouveaux soldats. Ouh la vache, un cas de soldats de Spild. On a acheté, ouais, on va en acheter tout de suite. On a acheté, on a 9 troupes. Mais avec 9 troupes, on a réussi à affronter 25 troupes derrière. Ah oui, c'est une armée plutôt puissante. Ça rigole pas là. Pas du tout même. Il y a un barrage dynastique, on peut toujours faire ça. Justifier un but de guerre, ça serait pas. Ah mais on peut pas faire de justification de but de guerre parce qu'ils aiment pas vu que c'est de la même dynastie que moi. Mon cousin éloigné, spécial, bon. Ouais. Économiser la presse. Pression, d'accord, ok, d'accord. On va économiser la pression si tu veux. Donc, on avait quoi comme but de guerre? On n'a pas de but de guerre pour l'instant. Ah si, on peut faire une nouvelle. Voilà. On va faire ça. On peut pas du coup économiser le but de guerre. Non. On est en train de voir pour essayer d'envahir. Voilà. Essayer de les envahir. La Norvège. Bon, on va attendre un petit peu. Ah! Nos agressions pacte. Avec la Savoie, c'est bon, c'est accepté. Parfait. Du coup, la Savoie, ils vont bien nous aimer. Hein, ils nous aiment bien la Savoie. Accès militaire, non. Faire un truc comme ça bien. Merci. On offre la même monnaie, voilà, on fait du commerce. On va faire du commerce, on va bien s'aimer avec la Savoie. Ils vont nous adorer. On va commencer bientôt la conquête des grands pays à côté, là, tous ces gens, là, ici. Oula. Il y a de la baston encore à faire. On revendique tout ça, ouais. Alors, le plus jeune, ça serait en Mécassan. D'accord, dans quelques années, dans un an encore. Ah, attention, désert. Oula, là, qu'est-ce qu'il y a? Fait visite diplomatique. D'accord, ils font une visite. D'accord, bon bah les relations marchent pas. Ah, les transmissions, il y a des guerres un peu partout. Après reprendre la Flandre. C'est pas mal. On prendra toujours de revendiquer là-bas. Bon, on revendique. Très bien, très bien. On va attendre un petit peu que le temps passe. On va voir pour les nouvelles armées infrastructures. Ah, des nouvelles armures, parfait. Là qu'on va encore les améliorer. J'adore ce mode. Vous pouvez le télécharger dans la description si vous voulez. On encore tout nous sommes en préparation d'amélioration. Hein, voilà, on parle d'une vraie armée. 25 jours, chance, national event. Non, moi je voudrais bien pour commencer. Voilà, administrer un peu le pays. On a 59 en fin de stabilité depuis le temps. On a eu vraiment des gros problèmes de stabilité entre temps. Mais voilà. Ah, c'est bon, il y a l'armée de la Savoie qui est chez nous. Non, c'est bon. Les Templiers qui sont toujours là. Je sais pas ce qu'ils veulent. Attaquer le pape. Ah, d'accord. Non, il n'y a plus de Templiers. C'est carrément le pape. Direct. Direct. Kingdom de Bohème. Ah oui, la Bohème a pris la Hongrie. Fait historique. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en guerre face. Ah, d'accord. Bon, moi, ils vont attaquer. Transmission en cours. Il y a plein de guerres entre eux dans l'Empire Saint-Empire romain. L'Angleterre, ils aiment toujours. À peu près. Oula, oula, attends, attends. Ouais. Wow. Il y a une guerre là, qui vient de déclarer là. C'est moi, il y a l'Espagne qui vient de déclarer la guerre là. À peine. Il vient vraiment de déclarer la guerre. Il y a l'Espagne qui vient de nous attaquer, d'accord. Okay. Et attends. Il y a le développement des troupes, voilà. Qu'est-ce que c'est que. Luxembourg, la Castille qui nous attaque. Ils ont combien de soldats? 12. Ok. Et pourquoi ils nous attaquent? J'aimerais bien savoir le fait historique et. Avec tout seul, d'accord. Ah, ils veulent prendre sûrement là-bas, d'accord. Très bien. Super. Du coup, bon, on va se disperser. On peut pas retourner directement chez nous, ouais. C'est pas mal. Défendre un peu notre territoire. Ouh là, la transmission. Ouh là 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 là. C'est bon. Ah non, c'est pas chez nous. Ça va encore. Ça va encore. Clac, on pourrait recruter tout de suite nos soldats. Merci, voici notre nouvelle armée d'Île-de-France. Tiens, venez, vous allez aussi par là. Vous allez défendre votre territoire, s'il vous plaît. L'armée française. Oulala, c'est quoi ça, la transmission? L'empereur remplacé. Transmission. Enfin, des rebelles. Ça. Oulala.
Alors, les rebelles, je suis pas trop pour, hein. On va rester en vitesse 4. Il y a un bout d'armée qui va aller là. Il y a un bout d'armée qui va prendre Calais. Possible. Les rebelles à chaque fois. Les rebelles sont toujours là, quoi. Il est tout le temps un moment avec des rebelles. Je sais pas. Ils vont passer à 29 de stabilité. L'emploi a été remplacé. Il y a un nouvel renfort qui est là. Au pif, il l'a envoyé ici. Ils ont dit que c'était plutôt pas mal. Ah bah tiens. Ouais, ce serait bien de récupérer notre territoire, voilà. Merci. Bon, on a un front, un petit peu, on a un petit peu un front à libérer. Potentiellement bien, toi, de libérer, non. Merci. On peut toujours passer? Ah, on passe toujours. Mais bon, on y va. Clac, clac, venez. Ah oui, on va reprendre les territoires. Heureusement qu'on a... On peut pas la passer maintenant. Si, on peut passer. Toujours passer, d'accord. Ils vont passer, mais ils vont pas passer. On sait pas trop. Peuvent passer, mais ils peuvent pas passer. Ça risque d'être 1000 d'or quand même pour ça. On pourrait pas augmenter notre troupe. On va investir dans la science. Hein. C'est moins 75 de monnaie quand même. La monnaie que j'ai balancée dedans, ça réduit la stabilité. Du coup, c'est très mauvais ça. Monnaie, stabilité. Oh. Monnaie, plus 1, plus 1, waouh. Et c'est pas meilleur. Hein. Moins 35, défense du territoire. On a... Non, c'est tout. Pas d'autres. Envoyer nos troupes. Hein. Bon. Seul truc que nous pouvons faire, c'est envoyer nos troupes. Qui sont en train... On est repassé en royaume, d'accord. Nous sommes même plus empereur. Repassé royaume. Cet endroit-là qui s'est libéré, je sais pas d'où. Quoi? Attends, quoi? C'est quoi cet endroit-là? Pourquoi oui? Ah d'accord, il y a ces gens-là qui viennent nous attaquer. Pardon. Très bien. Alors, on va devoir gérer un fond ici. Je vois, je vois, tout à fait. Je vois qu'on s'ennuie pas dans ce mode. On s'ennuie pas du tout. Hein. Non. Vraiment pas du tout. Y a pas de. Non, il n'y a pas d'ennui. Hein. Rien, on va prendre directement leur ville. Bilbao. Voilà. Tout à fait. Hop, toi qui vas. On a tellement une armée puissante, c'est abusé, que bon. On va pas recruter des mercenaires, non. Il n'y a pas de mercenaires à recruter. Non, ouais. Petit bonhomme, voilà, 300, 300, on a payé l'armée, ça te va. C'est bon, c'est fait déjà. Ici, ah bah ils avancent, parfait. Tiens, on continue à avancer. Il faut prendre Bilbao, hein. Merci, merci. Du coup, ça sera déjà fait. On aura déjà pris cette ville. Après, je sais pas ce qu'on va faire avec le territoire de l'Espagne. Hein. Si un jour on arrive à... Attends, non, non, non. J'adore cette armée. J'adore cette armée. Quoi? Pourquoi? Tiens, tu vas rester là-bas. Toi, tu vas faire le tour pour attaquer l'autre côté. Merci. Je vais faire... Ouh là là. Ouh là là. La Lorraine qui nous en veut. La Lorraine, ouais, elle nous en veut vraiment. Même grave. Attends, tiens. Vous allez rester. Vous pouvez pas rester sur un front parce que c'est un peu mal. Tiens. Ligne de front. Ouais. Merci. Voilà. Et une ligne de front. Vous voyez pas la ligne de front? Non. C'est quoi? C'est la plus mauvaise ligne de front du monde. On va refaire une ligne de front. Voilà. Clac, vous allez dessus. C'est bon, là, vous avancez. Vous défendez votre territoire, les mecs. Voilà, parfait. Vous mettez un nouveau commandant. Gérard, non, pas lui. Un commandant, voilà, Gérard. C'est aussi Gérard. C'est belle tout Gérard. Faut pas chercher, faut pas chercher. Ils vont tous s'appeler Gérard. Et c'est un point 7. On a des problèmes de ravitaillement, c'est vrai? Non. Pacte de non-agression? Jamais. Et jamais de pacte de non-agression. Nous, on vous attaque jusqu'à la mort. Oui, je sais, c'est pas eux qui nous attaquent, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ce sont des gens qui nous seront ennemis. Et les ennemis, on les attaque. Un point 7. Voilà. Fait. Oh, la vache. Oui, continuez. Ça va, on reprend du terrain, toi. Ah oui, le terrain. Oui, bon, reprenez tout le terrain. Reprenez tout le terrain, voilà. En avant, les mecs. Il reste encore un peu. Il pourrait quand même défendre la ligne de front. Ce serait pas mal. Ah, voilà. Vous voyez, ligne de front, faut la défendre. C'est bien.
Ils ont tout compris, c'est bon. On a tout compris. Parfait, parfait. On a une nouvelle armée qui est prête. Ah bah mais c'est magnifique tout ça. On a bientôt une nouvelle armée qui sera prête. En quelques temps. On produit tellement de troupes aussi. Oh là là. Transmission. Me dis pas qu'il y a encore des rébellions. Tu vois que le roi qui veut hériter du... De Bubblewed. Possible. Alors, j'envoie une armée ici, voilà, et l'autre armée va taper les autres à côté. Voilà, ils vont tous taper dessus, voilà, c'est parfait. On a développé la forge, plutôt bien, on va augmenter notre production de troupes. Ici, ah bah tiens, il y en a qui sont enfin contents. On va prendre la ville juste à côté, voilà. Ah non, bah vous restez là, vous défendez votre territoire le plus possible. Non, on pourrait pas déployer nos troupes directement sur la ligne de front. C'est un peu abusé, tu sais. Déploie les troupes directement. Très bien, restez là. Voilà, très bien. Et ils vont prendre la ville portuaire juste ici. Très bien. Bon, là ça stabilise. Ligne de front bizarre. Hein. Faut pas chercher. Tiens, toi tu vas terminer là-bas. Et lui il va avancer pour prendre la Lorraine. Parce que on adore prendre la Lorraine. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi ils attaquent. C'est une guerre. C'est une guerre pour la guerre, quoi. Ils veulent faire une guerre, on vient dans la guerre et on tabasse. Voilà. Transmission, blablabla, armée ennemie, blablabla, qui sont en guerre. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut déployer nos troupes autre part que ici? Non, on pourrait pas. Du coup, bah, le mieux, ça serait que je les déploie juste là. Mais en attendant, on va faire un petit peu. Alors, pause. Oulala. Sauvegarde. Merci. Pause. Oui, merci. Merci, très bien. C'est vraiment sympa de ta part. Vous pouvez pas les aider là? Ce serait bien que vous les aidiez. Ce serait vraiment bien de pouvoir les aider quand même. Bon. Alors voilà. Parfait. Nos troupes sont encore là. Elle résiste. On a deux ports. Tiens. Vous allez juste au front. Ouais, là, au front, allez. Au front. Ah, parfait. Vous prenez Metz. Vous terminez, vous prenez cette ville-là. Trop d'argent encore. Payez encore des nouveaux soldats. Les armées étrangères. Hop, c'est parti. Clac, on y va. Allez, rejoignez l'armée. Vous restez ici. Non, vous restez ici. Pas grave, il va pas rester ici, mais bon. Transition de guerre. Pareil compliqué, quoi. C'est bien ça que je pensais. Bon. Ça, on va défendre. Ici, on va défendre. Du coup, bah, le meilleur, ça serait pour enfin terminer ce front-là et pouvoir se défendre de l'autre côté. Ça serait hop, clac. À Saden, on déploie l'armée. Voilà. On va rejoindre cette infanterie. Parfait. Et vous allez à la guerre. Voilà, c'est tout. En avant. En avant. Voilà. Parfait. Vous les éclatez. Ici, bon, on a repris un bout de territoire. Ici, on attend toujours et on fait notre taf. Voilà. Très bien. Il y en a qui ont un petit peu problème de rationnement, mais bon. Avec deux ports déjà, c'est déjà bien. On tient le patelin. En avant, on va prendre Metz. On va terminer ces gens-là. Hop, c'est bon. Finissez-les. What? Bah, la guerre est terminée avec la Lorraine. Ça, c'est fait. Merci pour ce gentil territoire. Je suis content qu'on ait pu s'arranger. Pause. Il faut vraiment que je devienne de république parce que j'en peux plus de ces guerres permanentes avec mon héritier qui est lui-même héritier de l'héritier. Qui veut aussi hériter du patelin. Du coup, c'est quoi déjà pour devenir république, monnaie? Voilà, république, un peu de monnaie en moins, mais on va devenir république, là, genre. Racasquette, là, de l'héritage infini de ces gens. Bon, ça c'est bon, la Lorraine est terminée. On a repris la Lorraine. Il n'y a aucune connotation historique là-dedans. C'est pas la Lorraine que vous pensez, monsieur.
La Lorraine du Moyen-Âge. On construit des ateliers. Des ateliers. Des ateliers pour faire des ateliers. On peut refaire ça. Hop, administration du pays. Chance de base stabilité. Ah mince. Pour augmenter, c'est juste augmenter la stabilité. Légion. Ah bah, nationalisée. Bah oui, tout à fait. Cette région sera à nous. D'accord, Strasbourg. Strasbourg est en guerre, ou quoi? Strasbourg est indépendant et est en guerre. Eh, bah, joli le drapeau. Je sais pas si c'est historique, mais bon. Il joue le drapeau. Transmission en 30. Voilà, me dis pas que le Portugal a rejoint. Non, c'est bon. Portugal, c'est le Portugal qui rejoint, là, c'est fini. Il n'y a plus de guerre, là. C'est fini pour nous, quoi. Portugal rejoint, c'est fini. Et ben, on va attendre nos armées qui vont tranquillement arriver. Ah, bah, parfait, on a le château. Le développement du château. Hop. Le round. Parfait. Continuer, on va reprendre le plus de terrain. Intervenez. Voilà, très bien. Quoi? C'est quoi cette arnaque? Ils essayent de m'attaquer, mais bon, ils vont pas y arriver. Malheureusement pour eux, modifier gouvernement. Ça, on peut modifier le gouvernement. Ah, on peut modifier juste de tout du gouvernement, c'est ça. Ouais. Féodalisme, administration, c'est quoi ça? Alors, on gagne plus de monnaie, efficacité des productions de base, aidement en change d'aide, administration. Et là, on gagne plus de libéralisme, modification de production et de stabilité. Monarchie administrative. Comment... Ah, là, on est dans la production militaire aussi. Bah, en fait, on va essayer de devenir république. Bon, ce serait un peu dommage, mais oui, mais c'est comme ça. Et on va essayer de devenir république. Désolé pour vous. Essayez aussi que le personnage ne meure pas. Ils aident bien. Tiens, on va continuer à administrer le pays. Bam, bam, bam. Ça coûte cher, ça doit être vraiment important. On va même tout envoyer là-dedans. Hein. Construction, comment ça se passe la construction? Je sais pas. Alors, monnaie, speed. Ah ouais, d'accord. Non, on va pas donner. Hein. Tiens, attends. Il y a des bateaux qui se battent là. Allez, hop, on y va. On prend la mer. Tac les convois, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Le Japon. On dit pas que le Japon a rejoint. Le Japon. Le Japon qui rejoint une guerre comme ça, ce serait bizarre. Bon. Tiens. Ah, voilà. Ah, non, c'est pas cette technologie. Je vais cliquer dessus. Voilà, celle-là. Parfait. Poudraken. Peut être bien ça. C'est quoi ça? Attaque de nuit. Et là, on défense soldats armés. Prendre ça, très bien. Il faut bien dominer le monde. Hein. Bon, on s'étend bizarrement. La France est bizarre. Il y a toujours la Savoie qui a limite qui contrôle tout le terrain. Savoie qui est en guerre contre la Provence, ok, d'accord. Et qui prend en guerre contre la Provence. En guerre contre qui alors? C'est en guerre contre, je sais pas d'où. Et un droit spécial. Dans ce mode, il y a la guerre dans toutes les sauces. On ne sait jamais pourquoi. Il y a toujours un mec qui veut se rebeller, récupérer un terrain, revenir plus tard. Un plus 7, républicain. Moins 4, moins 2. C'est pas très grave tout ça. Tiens, vous allez rejoindre le front. Le front de la liberté commune. Tiens, on va mettre Gérard. Ils sont tous Gérard. Ils s'appellent tous Gérard. Je sais pas pourquoi. Non, c'est général, mais bon. Personne qui va gérer. Ah, ils sont en train de changer de soldat, d'accord. Ok, ah, c'est bon, la Hongrie s'est libérée. Non. Oh la vache! Le bois est encore plus puissant. C'est abusé! C'est abusé. Transmission, Empire, Yuan. Mais la guerre, ils font la guerre en Empire, Yuan. Ils font ce qu'ils veulent là. C'est tranquille avec leur empire. Bon, maintenant qu'on a ramené toutes les troupes possibles, nous allons continuer à faire nos petits soldats. Tiens. On pourrait pas lancer encore des décisions, par exemple. Coup Antantian, patch, rapport république. 25. On va pas augmenter la stabilité de la République pour l'instant. Hein. On verra après. On verra après. On verra largement après. Nos soldats sont prêts. Free Army Factory. On peut faire encore des nouveaux. Bah, mais parfait, parfait. Très bien, merci. Factory. Et vu la production qu'on a. Bon, on va pouvoir se lancer. On y va. C'est parti, soldats. En avant. On doit reprendre le front. Bien, hop, c'est parti. Ça a pété.
vache. La guerre. Prends le terrain. Tout sur le terrain là. Avant. Même petite armée qui pourrait attaquer. Voilà, parfait. Ça c'est fait. C'est fait. Ici on reprend. Bien, ça aussi c'est fait. On va terminer l'enclave ici. Voilà. Pause. Sauvegarde automatique, ça fait toujours mal. Une armée qui va rester là. Parfait. Pas toi. Voilà. Ah, très bien. Tu prends ça ici. Voilà. Tu vas continuer à avancer. Bah oui, on va avancer jusqu'à la ville. C'est juste là-bas. Tiens, cette armée-là va ici. Et il pourrait pas avoir une armée carrément qui va à la ville directement. Mais eux, vous allez là-bas. Vous allez ici. Vous prenez. Tiens, il y a deux régiments, trois régiments qui vont là-bas. Un régiment qui va prendre la ville. Lui, il va finir ses paysans de ce côté. Comment ça se passe? Ça se passe bien pour l'instant. Voilà, ça avance. On prend le front. Tiens, ici, c'est fait. Ici, on y va. On va continuer. On les encercle, on prend tout. Le terrain. Possible. Très bien, c'est pris. Hop, on y va. Avant, ça c'est fait. Ça, bah, eux, ils vont tout droit, ouais, c'est parfait. Eux, ils vont ici. Hop, on y va aussi, pareil. Eux, ils vont ici. Tiens, on va prendre le plus de terrain possible. Non, je veux une armée aussi qui va à leur ville. Oh la vache, on a des problèmes de rationnement, oui. Du fuel, il n'y a pas de fuel ici. Ils sont au Moyen-Âge, les mecs. Il n'y a pas de fuel. Depuis quand il y a du fuel là-bas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le plus de terrain, s'il vous plaît. On avance. Je sais pas si ma stratégie est bien, mais bon, c'est une stratégie. Et vous, continuez. Bah oui. Je veux aussi qu'ils y vont. Eux, ils y vont, voilà. Eux, ils y vont. Eux, ils y vont. Eux, ils avancent. Parfait. Eux, ils avancent toujours. On leur fait beaucoup de dégâts. Oh la vache. Spécialisation de mon armée, c'est incroyable. Pause. Oui, je suis en vitesse roi, la guerre. Parce que c'est drôle. On va prendre directement leur ville. On va vite finir là. On va prendre une enclave. Hop. C'est fait. Ça en avance. Ici on avance. Ici on avance aussi. Très bien. Hop, tiens. Ça c'est fini. Et les autres, ils n'ont même pas le temps d'arriver, qu'ils ont déjà fini. Ils ont pris le terrain. Voilà. Y a pas un bout d'armée qui pourrait se mettre par exemple là-bas? Non. Voilà. Très bien. Pareil, on va franchir la rivière. Et on avance. Franchis la rivière, les mecs. On cherche pas à comprendre. On franchit. On franchit. Eux, ils sont. Oh la vache. Leurs troupes, ils ont même plus de rationnement. Ils ont plus rien. Tiens, on veut pas aussi avoir des petits problèmes du coup. On va essayer de prendre le plus possible. Toi aussi t'avances. Toi tu vas avancer pareil. Ah, je parle de lui là-bas. Merci. Une bataille qui se déroule bien. Un royaume qui se déroule plutôt bien aussi. Hein. Il se bat bien ce royaume. Voilà. Continue à avancer. Pareil. Vous prenez tout le terrain. Prenez tout. Prenez tout. Hop, on y va. On ne s'arrête pas. Ils ont plus de rationnement, ils ont plus rien. Ils ont plus de rien. Plus de soldats, ils ont plus d'usines. C'est fini, c'est fini. Clairement, c'est fini, limite pour eux, quoi. Il y a toujours une armée qui va là-bas, c'est quoi. Faut pas les laisser se rationner. Et avec deux armées, c'est bon, on les massacre. Hein. On les massacre. Transmission. Qui d'autre qui vient? Il n'y a personne qui vient dans la guerre. D'accord, très bien. Ça aurait été un peu violent pour nous qu'il y ait une armée qui arrive. Et ouais, tu vas continuer. Toi, tu ne barres pas. Tu vas attaquer ce mec-là. Toi, bah, tu vas prendre le terrain ouais, juste devant toi. Ici, vous y allez. Tiens, hop, vous prenez tout. Prenez tout. On prend tout, nous. On ne s'arrête pas. On a même pris la mer.
Attaque de convoi, ça marche très bien tout ça. On n'a pas de bateau, on n'a pas d'avion, oui, c'est un peu logique. Bon, la vache, avec trois armées déjà. On a. Ah d'accord, on a d'autres soldats prêts déjà. Ça aussi c'est bien. Non, on y va. Hop, on avance, on avance. Le front est à nous. Ça c'est fait. Quelle stratégie. N'importe quoi. Quelle stratégie incroyable. Quelle guerre aussi. Okay. Et qui est en train de prendre toute l'Espagne. Bon, déjà l'Espagne n'est pas très unifiée. Mais bon. Il y a Madrid. Hop, on y va. On prend Madrid direct. On prend Madrid direct, nous. Hop, direct deux unités, on a déjà pris. On peut prendre Madrid en un coup. Eux, ils sont un peu bloqués aussi avec leur région. Là, on y va. Alors, Bernie. Voilà. Ah non, il me dit pas qu'il y a encore une rébellion. Où ça, il y aurait possiblement une rébellion. C'est pas. Mais c'est des territoires occupés. C'est rien, ça. C'est rien du tout. Rien du tout. Voilà. Super. Merci. Hop. Continuez, continuez avec votre armée. Continuez, messieurs. Vous avez du boulot. Voyez pas, les soldats ennemis sont en train de fuir. Ils n'ont plus d'armée, ils n'ont plus d'arc, ils n'ont plus de flèches. Il faut les terminer. Tout à fait. Nous allons les terminer. Juste au dernier. Il y a encore des endroits révolutionnaires. Tiens. Il n'y a plus rien. Fini, c'est fini. Ils ont plus de soldats. Tous les fronts sont gagnés à peu près. La majorité des fronts sont gagnés. Mec, une armée, on les massacre. On y va tout seul. Voilà. Ah, 5 jours de rationnement encore. Problème de rationnement. Ouais, attends, pause. Pause, on va recruter encore. Hop, bam, bam, des soldats, des fortunes, des nouveaux soldats dans l'armée. Je sais pas si ça va remonter le rationnement, mais bon. Il y a une armée toute seule là-bas. Bien triste. C'est bien triste. Hein. Lui, il va là-bas. Lui, bah, non, mais toi, tu vas descendre. Parce qu'en fait, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'attaquer. Là aussi. Hop. Attends, tiens. Il y a quand même une ville là-bas. Voilà, ça c'est fait. Ce sera à nous. Tout le temps. Pareil. Là, tu vas prendre tous les territoires qui te restent. Tiens. Voilà. Là, on verra l'encercler dans quelques jours. Et hop, vous me dites quand c'est fini, quand on a pris tout. Tiens. On y va. On va prendre l'ordre derrière ville. C'est fini de ce côté-là. Bon, un front sécurisé. Là-bas, bon, il aura plus ses troupes. Voilà, c'est bon. Non, mais c'est. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'envoyer 5 régiments. Voilà. Les 12 régiments, ils font leur taf. Très bien. Qu'un seul régiment qui va là-bas. À Madrid, hop, sécurisé. Endroit sécurisé. On va en finir. Une bonne fois pour toutes. Je sais même pas pourquoi ils m'ont attaqué, quoi. Non, non, ils sont, c'est loupé de pigeons. On voulait pas vous envoyer de pigeons voyageurs. Pas pour nous, c'était pour vous. C'est cela, c'est cela. Ah tiens, on va arrêter avec nos troupes. C'est lui notre capitaine là. Au port. Vous rentrez tout. Vous arrêtez votre manœuvre navale. Ouais. Clairement. Bon, on veut quand même vous montrer un peu notre puissance, mais pas quand même. Hein. On va pas gaspiller des navires. Je sais même pas comment on peut faire. On va faire du fuel. Il n'y a même pas de fuel. Ça, il faudrait régler ça dans les prochaines patchs du mode. Mais bon. Il n'y a même pas de fuel. Tiens, c'est quoi ça? Ah, des sortes de tir. C'est parfait. Ouh là là. Est-ce qu'on a encore de l'argent? C'est encore pour les mettre les républicains au pouvoir. On verra après. Transmission, le royaume de Yuan. Continue à attaquer toute la frontière européenne. Clac, tiens, tu vas prendre ça. Tu continues. Voilà, tu vis ta vie. Regarde, lui, il va tout seul. Hein, c'est parti, on fait une percée. On fait une percée. Je cherche pas à comprendre, on fait une percée. Tiens, vous allez les attaquer eux. Juste ici, voilà, très bien. Vous allez prendre le terrain, vous allez attaquer aussi, voilà, comme c'est fait. De toute façon, ils ont plus de troupes.
Vraiment plus toute troupe. Non, vraiment plus toute troupe, ça casse fait. Ça aussi, bon, on va y aller juste au bout. Hein. Lui, il termine. Lui, il prend son terrain. Lui, il va prendre le terrain de l'autre. On va au moins terminer cette guerre pour la fin de l'épisode. Voilà, ça serait pas mal. Ça, c'est fini. Voilà. Ah ouais. Je prends tout. Est-ce que j'ai... J'ai les points pour tout prendre, vous êtes sûr? Ah oui. Ah oui, quand même. Ce serait sacrément grand. Bon bah merci. Bienvenue en Nouvelle-France. N'importe quoi. Attends, pas se pose, il y a un petit problème d'administration. Ouh la vache! Un petit problème d'administration du pays. Je vais rien dire, mais. Un petit problème, hein. Un petit problème ici. On va peut-être, déjà, on va reprendre les terrains, mais on va les pacifier un peu parce que bizarrement, ils vont pas parler trop parler notre langue. Des trucs impossibles dans la vraie vie, mais bon. Je suis pas sûr que la France aurait réussi une guerre comme ça. Vraiment pas sûr. Tiens, vous allez continuer à faire de votre taf juste ici. Très bien. Ah tiens, bah bam! 2 secondes après, il y a déjà une autre guerre avec les rébellions de la Castille qui sont là. Hop. Les rebelles sont déjà là. Déjà fait. Merci, bienvenue chez nous. Oui. Résistance? Bon, la résistance est déjà là. Pas comme si on n'était pas du tout mal barré. Alors, on a pris gros, mais vraiment tout le territoire. Les mecs, ils ont même pas le... Rien, ils prennent tout. C'est quoi ce territoire? C'est à nous maintenant. Et pourquoi c'est à vous? On sait pas. On sait pas, mais c'est à nous. Le territoire est à nous. Ah bon, vraiment? Non, jure. Comment c'est possible? Je ne sais pas. On a décidé de prendre tout ce territoire parce que nous semblait potentiellement. Je dis pas que la Hongrie. Je pas cette Hongrie là qu'on rejoigne. On rejoigne une guerre au pif là. Tiens, terminé. Voilà. Plus de guerre, y a plus de guerre. Merci. Continuez à faire de votre taf. Transmission. Ouais. Oh, c'est encore fait ça. Merci. On retourne dans notre camp. Bon, attends. On en pose? On en pose. Merci. Oh la vache. 33 usines. On va bien gérer. On va mettre au point. Clac, clac, clac. On a encore d'autres usines. Bam. On a encore une usine là. De l'or, tout ça. D'où va ce monde? Non, on a des... Attends, pause. On a vraiment des lances niveau 2. C'est quoi? Des spires niveau 1, niveau 2, niveau 3. On a déjà les niveaux 3, mais pourquoi vous avez pas demandé? On a des niveaux 3. Voilà, parfait. On a déjà des niveaux 3, c'est parfait. Les républicains, on commence à augmenter, c'est bien. Même un jour, justifier un but de guerre. Ouais. D'accord, ils sont en guerre contre tout le monde. Hein. Et ces mecs-là, je peux même pas savoir pas qui sont en guerre. Grenade a été repris, oui. Grenada, ça s'appelle maintenant. Tiens, on est en quelle année? D'accord. On est en 1303. Et je voudrais juste savoir, clac, 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 clac. C'est en 1303, en juillet. Ok. Eh bien, ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé, normalement. Bon. On va continuer. Le développement d'usine. Story upload. Ressources, efficacité gain. Ouais, factory. Prendre ça, petite maison. Et on va finir cet épisode là-dessus. Voilà, sur cette belle conquête de l'Espagne par la France. Logique. Logique. Ouais, Samy a l'air super puissant aussi. Hein. Quoi ça? Une tribu. Ouais, donc 4 soldats. Bon, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. On se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir, c'était Favali. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire ou de vous abonner. Ça me soutient et ça soutient la chaîne. Au revoir.